Bonsoir. Qu'a-t-il bien pu se passer dans les temps du Kirchenbrand à Mondange, en Moselle? Les pêcheurs qui fréquentent le plan d'eau se posent la question car depuis quelque temps, un grand nombre de poissons morts flottent à la surface. Une surmortalité d'autant plus étonnante qu'elle ne se produit que dans cet étang. Catherine Reggiani et François Cartier ont tenté d'en savoir plus. Carpes, cygnes, brochets ou encore amour blanc. Depuis jeudi, ce sont des dizaines de cadavres de poissons que les bénévoles et les pêcheurs retirent de cet étang du Kirchenbrand. C'est en début de semaine que le garde-pêche a découvert les premiers poissons morts. J'ai mis la première alerte, c'est-à-dire sensibiliser le coin, fermer tout le secteur afin que personne ne prenne du poisson qui risque d'être intoxiqué. Depuis que je suis garde, je n'ai jamais vu un tel phénomène. Une mortalité aussi subite qu'inexpliquée, car curieusement, les étangs voisins sont épargnés. Pollution ou origine biologique, plusieurs tests et prélèvements ont été effectués jeudi, mais les résultats ne seront connus qu'en milieu de semaine prochaine. Pour l'heure, seul le taux d'oxygène a pu être mesuré. On a simplement relevé que le taux d'oxygène de l'étang était très faible. Donc, on va dire de manière normale, un taux d'oxygène, c'est à peu près 9% dans l'eau. Donc là, on a relevé simplement qu'il y avait 0,6% d'oxygène dans l'eau. Et si les pompiers ont apporté vendredi leur aide aux pêcheurs pour tenter de réoxygéner l'étang avec leur lance, aujourd'hui, c'est avec un simple tuyau d'arrosage et une motopompe que les pêcheurs poursuivent l'action. Au-delà de la crise sanitaire, avec déjà près de 2 tonnes de poissons collectés, l'association chiffre une perte sèche estimée à plus de 10 000 euros. La suite, oui, pour pouvoir demander des subventions, bah, sûrement à la mairie. Après, je ne sais pas comment faire pour la suite. Vous êtes plutôt des arbres. Ah oui, ça fait que 4 ans qu'on a repris l'association et on est face à un drame là, qui nous dépasse. Et si les causes de ce drame sont pour l'heure encore inconnues, la fermeture de l'étang pour une période d'au moins 2 ans pourrait être envisagée.